Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière à Pise. Alors, déjà on va checker ça. Adam Nagy. Quoi, je... Ah oui, t'inquiète. Héros, tu joues bien. Tu joues bien, frère. Tu veux que je te remplace par qui? Par Marine hein? Je suis en récupération. Convalescence. Oula, et Milan après. Ok. Rapport mensuel. Alors. Si on gagne contre Séville, on se met très bien du coup. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Attendez 2 secondes. Ok, go. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Moyen, oui. On sait pas, hein. On verra de quoi on est capable. Okay, guys, we're... Pise. Alors, Corona Van Nilsson. Vlachodimos. Chaudhry là, lui. Scarlett titulaire. Ouais, faut que je le laisse. Est-ce que je mets Mouroutan? Ouais, on fera rentrer Tramoni. On va mettre Marine sur le banc. Voilà. On va jouer le match. On va pas contrôler un joueur, on va contrôler tous les joueurs. J'ai envie. Et on a besoin d'un Messi là. Sur la pelouse, on a ce qui se fait de mieux en Europe. Pour les amoureux du foot, c'est évidemment un grand moment. Salut à toutes et à tous, nous sommes ici à Séville, à Sanchez-Pizjuan. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Au programme, ce match de groupe du UEFA Ligue des Champions. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Les deux Wesh. équipes ont plutôt bien commencé leur campagne européenne avec une victoire chacune. Ça va être intéressant de voir laquelle des deux va réussir à maintenir sa dynamique. Oui, le tir à la parade, mais le danger est toujours présent. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Neto. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un... Putain, il est là, Neto, j'avais pas vu. On connaît sa facilité à déborder ses adversaires en D'accord. vitesse. Si tu lui laisses 50 cm, 1 mètre, impossible à rattraper. C'est une comète qui s'envole. Non! Récupération du ballon. On passe derrière. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Eh, il s'est pas vaincu, il a repris finalement ce ballon. Ouais, tacle parfaitement exécuté, il le fallait. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Il prend sa chance. La frappe contrée sans souci.
Mais putain. Ça, bien joué. Et c'est pour Pedro Neto. La circulation du ballon pour. Oh, merde, je l'ai fauché. Ça va, c'est ok. C'est pour Lionel Messi. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Morutan. Eh ben, l'ont récupéré sur cette bonne intervention. Evan Nilsson. Et c'est pour Pedro Neto. Oh, la frappe! Excellente intervention. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Ah oui, quelle occasion et quelle parade. Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Et le face-à-face à venir. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Mais perdu par Léo Messi. Tecatito. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Wow. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Ballon pour Tecatito. Le ballon pour Palinha. Il y a la place pour une frappe. C'est contré, mais ça va revenir. Ah non, ça s'arrête là. Je vais mettre en et voilà le couloir. L'arbitre. Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Mais c'était pas pour toi. Dans le dos de la défense. Ta gueule, c'était pour Messi ou quoi, Estevez, je sais pas. Ah ouais, mais il a plus la vitesse, c'est pas Morutan. Ah. Ouais, bien joué, ça circule bien. Mais pourquoi ça fait ça? Et non, c'est sans danger pour la défense. Et le contre est possible maintenant. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Oh, non. Pas bien maîtrisé, évidemment. Waouh, ça va. C'est le ballon qui est joué. Oh, il prend un jaune là. Ah, il me faut de la vitesse. Il me faut de la vitesse. Et on va donc assister à un triple changement dans cette équipe. Oula. Ce ballon passe assez loin du cadre. Assez sus. Frapper de si loin, il y avait beaucoup mieux à faire.
Un petit rappel, vous le voyez sur l'écran, le foot continue avec un match qui va vous plaire. J'ai hâte de voir ça, un beau moment de football qui arrive. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Tir contré, sans difficulté. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Bonne présence à la tombée, mais c'est toujours dangereux parce qu'il y a du monde. Evan Nilsson. Ouais, c'est bien vu cette passe. Il n'est pas en jeu ? Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Au début, je le pensais hors jeu, c'est pour ça que j'avais fait ça. Et Sévi qui peut se projeter dans le camp adverse. Un bon jaillissement pour bloquer le centre et éloigner le danger. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. Ouais, allez. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Et le tir. Et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Ah, et donc l'action s'arrête là. Frère, faites des appels, je sais pas. Quelle magnifique reprise de volée déviée par le cadre. Dommage, un contrôle. Je suis dépité. Possibilité de dompter. Vraiment, je suis dépité là. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oh, y'a rien. Ballon perdu là par Séville. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet pas à son équipe de conserver le match nul. Enfin, bon, oui, pour la vitesse. Ça, c'est absolument vital. Le corner. Un peu de coaching avec ce changement. Oh, process Molly. Pour Odysseas là-dessus. Un temps fort de la rencontre, il faut aller chercher le but de la victoire. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Le ballon en touche. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Mais... La frappe est contrée. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir ouais. Ce que va faire l'arbitre. Je prends un rouge. Ah putain, c'est gentil. Ouais, est-ce que c'était vraiment fauché là? Bon, sympa le match nul. On sa vie, sympa. Aujourd'hui, ça se conclut avec un résultat nul. Pas non. Ouais. De poteau, j'ai fait 2 poteaux, frère. Ouais. Attends, mais il y a la FIO en Ligue des Champions? Some questions regarding the match. Comment ça, il y a la FIO en Ligue des Champions? Ah oui, ils ont gagné l'Europa. Yeah, no further questions, thank.
Oh. Non. 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 Oui. Liu, l'autre gars, l'autre Giordano. Je pense qu'il sera intéressant comme BU. Je vois les stats, je trouve que ça sera intéressant. Ouais. J'ai eu des messages de développement, je crois. Nagui. Waouh. En même temps, tu t'es bien amélioré, hein. STVS, cool. Putain, ils ont tous eu d'un coup, là. Ah ouais, non, c'est fini, lui. Ouais. Ok. Weltran. Bon, oh, tant mieux, hein. Tant mieux, écoute, hein, moi je dis pas non. Hein. J'ai une idée. Ah mais lui il est arrivé récemment, c'était pas lui en fait, c'était... Ah mais du coup il est parti là lui. Oh fais chier. Quel Benevento de merde là. On va regarder ce qu'il y a d'ailleurs. Oh là là. On lui pète la clause, frère. Je m'en bats les couilles. Doté d'un énorme potentiel. Attends, moi je prends. Hein. Moi je dis oui hein. Tout est dans l'énorme potentiel, moi je prends. Hein. Ta gueule avec ton F. M'en fous frère. Tout est dans l'énorme potentiel, je prends. Normalement il arrive au mercato d'hiver du coup. Ok. En plus il est jeune 75 ce con hein. Oh comment il va tout casser lui.
Pas intéressant. Ouais, elle va être chère. Oh, quoi que. Sans MDC, on sait jamais, on regarde quand même. Oh, on m'appelle la fouine. Ah, il est pas cher lui. Ouais, si, quand même. Oh, il est bon lui. Ouais, je l'avais repéré lui. Il est bon lui. Bon, moi j'ai ce que je voulais en tout cas. Un gardien bon pour plus tard. Alors. Ah ouais. Léo, Thuram, Mbappé, Brandt, Tonali, De Bruyne. Hernandez, quoi? CFF, hein. Attendez, j'ai juste pris un screenshot, hein. Mais frère, c'est quoi cette attaque de dégène, frère? Ah, on a perdu, là. En plus, il y a les deux Hernandez. Hein. Christensen va devenir le titulaire, écoute. Désolé, il y aurait skin. Hein. Je vais mettre Calabresi. Même s'il a moins bon gène, il a une meilleure défense. Quoique, hein. Ouais, mais Steph en seconde mi-temps, il va faire du mal. Bah, je vais remettre Messi en fait. On garde nos atouts de type toi et toi sur le terrain. Un genre sur le banc. On va mourir. Gros plan sur Kylian Mbappé. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Ah ouais frère, pas étonnant. Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez. J'ai gêné combien Mbappé que je rigole. Hein? CFF. Mais pourquoi il est en AD? C'est à cause de Thuram? Pas moi qui tourne, hein. C'est la manette.
Brandt, De Bruyne. Ouais, je te mourris. Ah ouais, d'accord. Allez, vas-y, je joue FF. Lui, c'est marrant, il a l'Inter. Eh ben, FF. Les sons parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. On retrouve tout de suite le foot italien et la Serie A. On le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Tonali. Attention, Marcus Thuram. Ah, le bon réflexe là. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va. Ah, le ballon intéressant. Et oui, c'est dedans. L'ouverture du score. Quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons. Mais. Mbappé. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur. Il a accéléré d'un coup, frère. Pour rien faire. Et voilà la finition en force pour rompre. Ouais. On va éclater en contre, hein. On peut faire que ça. Porter son duel contre le gardien des buts, c'est vrai que le but du ballon contre le filet, ça fait pas. Numéro 30, frère. Et avec cette ouverture. Oh. Quel mauvais tacle, c'est incroyable, c'est dangereux. Et l'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Et c'est vraiment étonnant ce carton rouge parce qu'avec l'avantage au score, on les pensait plus sereins. Tu perds tes nerfs, tu ne les retrouves plus comme les clés. Hein, sur un fait de jeu, un carton rouge et tout à coup, la rencontre bascule à ta défaveur. Quel bon sens, toujours dangereux dans la surface. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Le ballon premier degré, il aurait pu se blesser donc oui. Courte interruption juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur notre route apparemment. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh oui, le but du but. Nouvelle action, nouveau but, mais quel réalisme. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant. Et pardon pour cette interruption, mais c'est évidemment le direct qui dirige un but marqué, on le disait, sur le terrain de leur adversaire. Ouverture du score, cette équipe mène 1-0. Et le ballon part bien. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Ou le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Le centre est détourné. Ouais, c'est ça. Hein. Ballon vers Julian Brandt. Raphaël Léao en bonne position. Oh, le réflexe sur ce ballon. Smalling. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain. On va aller voir ce qui se passe. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur du Torino. En bonne position, De Bruyne. Et le but de Kevin De Bruyne. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi c'est lui qui marque? Pourquoi c'est lui le joueur décisif? Parce qu'il est différent et qu'il a un vrai talent. Ta gueule. C'est reparti dans ce match avec désormais 3 buts d'avance en faveur du Milan. Et vraiment désolé de vous avoir interrompu comme ça. Et c'est le Torino qui vient de marquer. Effectivement, 1-0, ouverture du score. Et ballon bloqué par Lucas Hernandez. C'est bien, ça pourrait être dangereux. En plein sur le gardien qui s'en empare. Tzatzic, t'as été. Pourquoi t'es pas allé sur la balle? Oh, il a pas senti l'appel. Alors, on peut dire que le plan ne se passe vraiment pas comme prévu pour l'équipe locale. Ta gueule. Pour la mi-temps. Eh oui, il y a des problèmes défensifs. Mais c'est l'attitude générale. Elle n'est pas assez proactive. Ça manque d'énergie, des potentiels créatifs. C'est le moment de réagir. Ce ballon est intercepté.
Mais c'était pas pour... C'était pas pour lui. Il avait marqué, frère. Oui, la belle incursion, là. Et ça joue sur Marcus Thuram. La passe vers Julian Brandt. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Frère, il y a 4-0. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Là, autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Mais... Non, là, je suis un troller. Et ça joue sur Marcus Thuram. Non, mais vas-y. Et le ballon buté sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Le ballon de De Bruyne. Voilà donc la fin des 45 premières minutes et pour la semi. FF. Ils ont un putain de carton rouge. Hein. Avec l'AC Milan qui fait la course en tête. Ah, l'équipe est trop forte, tu vas faire quoi? Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse, apparemment. Et oui, avec le deuxième but pour le Torino, un but de Pietro Pellegrini. Son deuxième but dans cette partie. Après, il faut bien le dire, une erreur du gardien. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Après 48 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Comme il dit, c'est le jeune maintenant. Je suis hypé. Attention, c'est chaud dans la surface, là. Putain. Bien joué, bien présent à la tombée. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'était pour toi, c'est pour l'autre. Le ballon change de propriétaire. Les stats et la possession apparemment sont en faveur de l'AC Milan. Et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Pourquoi il est à gauche ? Le centre dans la boîte. Pourquoi il est à gauche, putain ? Voilà, vous le voyez, rappelons ce match. Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et le score qui s'alourdit encore. Trop rapide. Quelle humiliation. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Oh, attention à ce centre. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Eh, vas-y, frère. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez. On s'est mangé un 6-0. Bah, bizarre les Milan.
Oh putain. On va jouer le Bayern du coup. Oh. Allez, ça me va. Giordano. Ouais. Plutôt mettre pivot. Oh l'enfer. On va faire ça. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva, bref. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Non, pas mettre ça. Juste mettre ça. Giovanni Simeone. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. C'est contré sans problème. Ah, y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Et voilà, encore sur la trajectoire. Et ce corner est joué court. Et c'est le moment de déclencher. Ouh, c'est contré, in extremis. Oui, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive en plus. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Et oui, quand on voit son nombre de buts, ce qu'on voit, c'est l'impact capital qu'il a pour son équipe. Depuis le début du championnat, on a bien vu sa capacité à créer des différences et à marquer beaucoup de buts. Oh, c'est dedans ! Oh là là ! Non ? Je vous fais confiance parce que ça se joue à quelques centimètres. Oh, je suis député. Ah, bonne intervention. Ballon dans les pieds. Et oui, c'est dangereux. C'est reçu dans la course. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et oui, c'est bien défendu sur cette tête.
Ballon pour Giovanni Simeone. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Marine. Le ballon est intercepté. Intervention défensive, le ballon en touche. Ballon perdu, c'est rendu même. Oh non. Il y a un truc à jouer, j'ai le seum. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Et l'option de la contre-attaque est possible. C'est dégagé sur ce centre. Ouais, je me fais tomber. Ballon pour Giovanni Simeone. Quelques secondes pour temporiser. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, c'est le premier but en faveur de Sassuolo. Un but à zéro, donc, après 35 minutes de jeu. Allez, merci et tenez-nous informés de la suite. Giovanni Simeone. Aïe, la passe est manquée. Et ça joue avec Messi. Je peux pas lui faire. Bien vu la passe. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Et faute. Et l'arbitre là qui a dit un coup franc. Et c'est pour le gardien. Aucun problème sur ce ballon. Une minute de temps additionnel. Et l'arbitre qui vient donc de siffler la mi-temps. Et donc pour l'instant, l'équipe en déplacement. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Le deuxième poteau pour ce centre. Et cette frappe sur la barre transversale, le ballon sort. Ça se joue à rien du tout, hein. Sur ce coup, pour quelques poignées de millimètres. Ah, depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé. Je fais ces changements par rapport à... match contre le Bayern. On parle d'une des grandes promesses du football mondial. Espérons que ces chiffres ne lui feront pas tourner la tête. Le plus important, c'est le terrain. Ah, il prend meilleur sur son vis-à-vis. Ah, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Ah, le corner bien tiré. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Marine. Messi. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Et ça joue avec Messi. Mais... c'est un ballon qui est récupéré. Oh. Qui rappelle là de ce qui nous attend prochainement, ce match très intéressant à venir. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite.
Oui, la frappe. Ah, le bon réflexe là. Je pouvais pas croiser. Et le remplacement peut avoir lieu. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Ballon facile pour le gardien. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Oh oui. Face à négocier. Oh oui. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Le danger est écarté. Cette parade est importante. Ça rassure son équipe. On va mettre Moroutan là, on s'en fout. On va faire ça. Mais c'est Rossi, ils joueront pas. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Et très bonne intervention du gardien. Non, d'ailleurs, non. Faire ça, hein. Ouais, changement donc, et des deux côtés. Combinaison, ça joue en deux temps. Oh non. Ah non, il faut pas la perdre dans cette zone. Ballon pour Giovanni Simeone. Ah, le ballon est contré. Tir contré, c'est bien défendu. Bonne intervention, le danger s'éloigne. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et ici l'occasion pour mener. Attention, il y a danger là. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Et c'est donc une petite combinaison. Simeone. Oui, quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. C'est joué court. Et le tir. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Léo Messi. Et ce sont les 5 dernières minutes du temps réglementaire et toujours ce score de parité. Messi. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Un but maintenant et c'est la victoire assurée. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, la bonne parade. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et ça joue dans un petit périmètre. Et ça joue avec Messi. Quel bon centre appliqué au second poteau. Ah, le pressing est efficace là. Non, vraiment. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Fini. Bon, match nul, tant pis. Hein. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et donc les 3 coups de qui retournent à l'instant, c'est terminé. Donc pour cette... Tout ça à cause d'un but hors jeu, je suis dépité. Allez. Hello, good to see you all here. We're going to take questions one at a time. Please be patient. You'll all get a turn. That's all. Thank you, guys.
Voilà. Et du coup, le reste n'est pas fatigué. Nice. Attaqueur aussi. Putain, 84 de vitesse. Ah ouais. Ah ouais. Face à qui, Lukaku, Musiala, Grealish. Grealish? Hein? Kimmich en latéral droit, ok. What the fuck? J'en ai vu des compos bizarres, mais alors celle-là? Sur la pelouse, on a ce qu'il se fait de mieux en Europe. Pour les amoureux du foot, c'est évidemment un grand moment. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand... Ouais. Super. Match de foot à vivre ensemble. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. Place à l'UEFA Ligue des Champions et à ce match de groupe. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale. Ah oui, ça marche aussi. Magnifique qui s'annonce. Et un arrêt qui fait du bien. Ça marche aussi. Oh my bad. La composition du Bayern Munich, Chesney dans le but, Leon Goretzka sera accompagné de Sabitzer au milieu de terrain et devant Romelu Lukaku. Excellente la séquence de construction. Et attention, la perte de balle, la balle dans la construction. On voit le classement de cette poule et quand même la place du Bayern Munich est assez décevante au regard des attentes. C'est assez décevant. On a l'impression que sur le terrain, ça ne connecte pas comme d'habitude. Le jeu a perdu de sa fluidité et de sa justesse. Très bon timing sur cette interception. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Smalling. Ballon récupéré sur cette bonne intervention. Romelu Lukaku. Jack Grealish. Grimaldo à la réception. Et maintenant Sabitzer. Et c'est pour Goretzka. Ah, la frappe est contrée. On va s'intéresser pendant quelques secondes là à Jamal Musiala. C'est un joueur important. Sa caractéristique, on la connaît. C'est leur jeu. Venez au jeu, regardez. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Non. Il met bien son corps en opposition. Oh, député. Il bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. La défense éloigne le danger sur ce corner. Chris Smalling. Un centre dans la surface. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Très bonne progression, balle au pied.
Et le ballon est récupéré sur cette interception. Ouais, ça presse bien. Jérémy Pinault. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Bayern Munich. Et ici l'occasion pour mener. Oh la caca. Le gardien était bien vigilant. La caca. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Ce ballon vers Sabitzer. Avec Grealish. Allez. Les frères. Dans leurs pieds. Le Bayern qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ça sort des limites, c'est une touche. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, pas de danger sur ce ballon, il finit sa course dans les bras du gardien. Sabitzer. Musiala hérite du ballon. Jérémy Pinault. Goretzka. Jérémy Pinault. Le Bayern qui tente de porter le danger. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Petit ballon. Il est hors-jeu là. Et la passe n'arrivera pas. L'arbitre a vu la position de hors-jeu. Et la passe aurait dû être plus pétillante, plus spontanée. C'est trop long ça. On est dans une sorte de possession stérile des deux côtés. Il n'y a que des petits pas. Et c'est un bon défilé. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions. Pour on perd tout. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Non, je suis en jeu. Ah, putain, mais je suis con. Par l'arbitre. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Bayern Munich. Le ballon pour Kimmich. Très bien défendu, sans commettre de faute. Oh. Une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Grealish. Frère, faut que je fasse un reset mental, j'en peux plus là. Pourquoi je loupe tout? Oh la vache, quel enfer! Prendre à boire. Merde, j'ai oublié de relancer le rec. J'avais fait une pause. Grealish à la réception. Ballon pour Goretzka. La frappe est bien contrée. Moroutan. Allez. Et le panneau indique le temps additionnel. Non, vraiment. Et hors jeu là qui est signalé sur cette bonne occasion. Musiala. Et c'est vers Sabitzer. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et dans l'ensemble, et pour l'instant. Allez. Ok. La deuxième période ici, et le Bayern mène toujours d'un but dans ce match. Mais
sort et c'est un corner obtenu par le Bayern. Sérieux là? Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et ce corner est renvoyé par la défense. Le ballon pour Kimmich. Lukaku avec le ballon. Le centre directement sur le premier défenseur. Ah, le contre est possible. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Un petit rappel, vous le voyez sur l'écran, le foot continue avec un match qui va vous plaire. J'ai hâte de voir ça, une rencontre très intéressante à suivre. Non. Jérémy Pinault. Et c'est vers Sabitzer. Lukaku avec le ballon. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Morutan. À la transversale, le bon renversement. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et la parade. Oh, dommage. Quel arrêt ! Quelle présence ! Surtout, dommage. Quel réflexe ! À vous pourtant, c'est exceptionnel. Cornea. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Ah oui, c'est une faute et un coup franc pour le Bayern Munich. Grimaldo. Avec Jack Grealish. Jack Grealish. Grimaldo. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Grealish à la réception. Ballon pour Goretzka. Jack Grealish. Et le gardien était bien vigilant. Non. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et but ! Et voilà le Bayern qui creuse l'écart. Voilà un corner joué à deux, ça permet de déstabiliser le marquage défensif. Regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Mais frère, pas ça! Les chiffres de la possession sont favorables au Bayern Munich. Le ballon ne quitte pas leurs pieds et ça leur permet de construire brique par brique, passe par passe. Et le ballon part bien et le gardien s'illustre bien. Excellente défense dans la surface. Jamal Musiala. Ballon pour Romelu Lukaku. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Ouh, l'occasion de revenir. Ouais. Et c'est au fond, voilà le but. Ouais. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Regardez le tic-tac. C'est pas la position est stérile, mais c'est un jeu de passe agressif pour ouvrir une brèche. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. De Ligt. Le ballon sur Jack Grealish. Jack Grealish. Morutan. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et vous voyez là, ce match évidemment a pas raté très bientôt, donc cette rencontre à vivre ensemble. Quand on parle de football, attention, c'est chaud là.
Le gardien s'interpose. Quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Hein, Rodrigo? Wesh. Ah, il vient frapper ce corner. Bon, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et la frappe. Et le gardien s'en saisit. C'est bien joué. Rodrigo. Rodrigo. Ouais, c'est un pressing efficace. Et ça joue sur Lukaku. Ah, c'est très bien vu, sa magnifique interception. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour... Et oui, Chesney, incroyable. Mais frère, comment tu loupes ça? Jérémy Pinault. Ah non, la Moussiala qui perd le ballon. Ah, le ballon en profondeur de Messi. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. J'aurais trop dû faire la passe. Ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Le corner bien tiré. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et c'est donc une touche. Et ça joue avec Messi. Très bonne couverture de balle. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Moussiala. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Oui, c'est récupéré ça. Lukaku avec le ballon. Intervention défensive, le ballon en touche. Oh, vas-y. Et donc la fin du temps réglementaire est sans doute une désillusion avec cette défaite à la maison. Cette équipe a eu pas mal d'occasions, mais finalement c'est une défaite d'un petit but d'écart. C'est assez rageux. Oh, j'ai la rage parce qu'on a bien joué. Les Celtics ont gagné ? Oh, attends, ça nous donne une chance de ne pas d'être qualifié. Oh, vaut pas le coup. Ok, Georges. Putain, il vaut rien. Il vaut rien lui. On finit 9ème ici, ok. On s'en fout. Oh. Ok. On reste 2ème, ok. L'OM. Ouais, je PG. Attendez, je vois l'équipe du PSG.
Putain, mon chat casse les couilles. Bon, sur ce, je vous laisse là. Salut.